bonjour à toutes. Alors, on continue les ouvertures boîte aux lettres. Alors, aujourd'hui, c'est Yam Scrap Pie Pie. Alors, je l'ai prévenu que j'avais reçu. Normalement, vous avez vu sa vidéo sur sa chaîne où elle montrait la carte. Et je vais vous montrer à mon tour. Voilà sa participation au concours. Magnifique carte. Voilà, avec des petits oiseaux, hein, des petites fleurs superposées. J'adore ça. C'est magnifique, la superposition comme ça. J'aime de plus en plus les superpositions. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Alors, je tire le petit ruban, des quatre rubans. Et on ouvre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est joli. Hein. Oh là là. C'est joli. Papillons, des petites fleurs, le pot de fleurs derrière, c'est mignon comme tout. Et là il y a un petit tag. Hop. Alors, coucou Cathy, voici ma participation à ton concours. J'espère avoir réussi ma carte pop-up, ah ben, plus que réussi même. En tout cas, j'ai pris plaisir à la réaliser, c'est le principal. Je te fais plein de bisous et j'espère que tu as réussi à te reposer un peu. Oui, t'inquiète pas, je me suis reposée. Grâce à mon mari, je me suis reposée largement. Voilà. C'est très joli ton petit cadre. J'adore le rose, vous le savez toutes maintenant. Mais c'est vrai, c'est très joli. Il est très joli, ton petit tag. Je l'adore. Voilà. Elle est très très belle, ta carte. Franchement, elle est très très belle, très bien réussie. Donc elle va retrouver les autres. Alors je vais vous montrer, je l'ai avec moi là, je vais vous montrer où je mets toutes vos participations. Hop, voilà, voilà la petite boîte, c'est la boîte de Dani. J'ai des mécos, j'ai découpé la boîte comme ceci pour mettre, voilà, comme ça j'ai toutes vos participations. J'ai ouvert toutes celles-ci pour l'instant et on va continuer. Voilà, donc je vais vous faire un gros bisou et puis je vous dis à très 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 vite. Bisous et merci à toutes. Allez, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous.